j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course. J'ai pas eu le temps d'aller en magasin, j'avais beaucoup trop de choses à faire entre les enfants, les travaux qu'on a en ce moment, les messieurs qui sont là, enfin bon voilà. Donc du coup j'ai fait un drive hier soir et je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'ai fait à Super U parce que vous savez tous que c'est pour moi le magasin qui est le plus facile et le plus rapide par rapport à chez moi. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc on va commencer par les légumes. Donc j'ai pris pas mal de légumes parce que je me suis rendu compte que dans mon congélateur j'avais plus grand chose. Et pour faire les purées de mon petit pipiou, c'est quand même plus pratique d'avoir des légumes. Donc j'ai pris un filet de courgettes, il y en a 4 dedans. J'ai pris des navets, donc 3. J'ai pris une patate douce. Un brocoli. Des carottes. Une courge. Des poivrons. Voilà, tricolore. Ça, c'est parce qu'on va faire des tacos ou des fajitas dimanche. Un sachet de pommes de terre et des petites tomates cerises, elles sont bien jolies, regardez, elles sont bien rouges. On va en sortir une ou deux. Ça, à grignoter, c'est sympa, moi j'aime bien, surtout quand les beaux jours arrivent, qu'on boit un petit coup, qu'on fait l'apéro et tout, ça, c'est sympa. Et au niveau fruits, j'ai pris 3 oranges, mais je pense que ça va être la fin des oranges, donc je vais finir par arrêter d'en acheter. Je vais peut-être plus me diriger sur des fraises ou des pêches, des brugnons, plutôt que sur des oranges. Et puis évidemment, des bananes, nous sommes des gros consommateurs de bananes, mais surtout Pipiou, je lui mets dans sa petite cuillère... comme on dit, c'est une cuillère grignote fruits ou quelque chose comme ça. Enfin bon, voilà, j'arrive pas à parler ce matin, c'est un truc de malade. Donc, je continue avec la viande. Donc, en viande, j'ai pris du haché de bœuf, des steaks hachés de veau pour la semaine prochaine. C'est pas la viande, attendez, je regarde, je dois avoir un poulet. Voilà, j'ai un poulet aussi, c'est pour ce week-end. Et ça fait tout en viande, enfin je vous montrerai si j'en trouve d'autres. Après au niveau rayon frais, j'ai pris des nuggets comme ça. Alors, il existe les nuggets les plus petits comme on mange à McDo, et il existe ceux-là, c'est carrément des filets, je sais pas si vous voyez, ils sont presque meilleurs, il y en a moins dans la boîte, mais franchement c'est plus agréable de manger ça, on a l'impression de manger en fait vraiment du poulet pané. Donc bon, entre nous soit dit, c'est facile à faire, mais là c'est la facilité, hop, on ouvre la boîte et on met dans la poêle et ça va plus vite. J'ai pris une petite salade comme ça de tagliatelle de temps en temps. Les garçons, ils aiment bien piocher dedans. Surtout Thiago, en fait. Donc, elle était en promo. J'en ai pris une. Un saucisson. Des aiguillettes de poulet. Et ça, vous savez aussi, si vous me suivez, mon mari, il emporte ses repas dans son camion. Donc, je lui prends des petites choses comme ça. Je crois que j'ai mon bébé qui pleure. Je reviens tout de suite. Désolée, je me suis un peu échappée. J'ai mon bébé qui pleurait. Il vient de se réveiller de la sieste. Là, il est sur son tapis de jeu, en train de jouer et de ronchonner. Donc, on va voir si je vais pouvoir enfin vous faire la suite des retours courses. Donc... un rond de lait,
des boudins blancs, ça c'est pour la semaine prochaine. De temps en temps, aux petits que je garde, j'aime bien leur faire des choses peut-être qu'ils mangent pas chez eux. Donc c'est vrai que le boudin blanc, c'est pas quelque chose qu'on mange fréquemment à la maison, quoi. Du beurre, donc de sel et du doux pour le demi-sel, c'est pour le petit déjeuner du matin. Des lardons fumés, une pâte à pizza. Vous savez aussi que j'aime bien faire de temps en temps les soirs une pizza avec une salade, c'est rapide et tout le monde est content. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Continuer avec un peu du frais. Donc dans mon frais, toujours pour mon mari, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai pris des dés de jambon comme ça. Donc voilà. Et dans son camion, il mange des salades. Donc voilà, il rajoute ça. J'ai pris 3 petites pizzas. Ça c'est pareil, c'est pour les repas rapides du soir quand on n'a pas forcément envie de cuisiner. Une petite pizza avec une petite salade, ça va très bien et c'est rapide. Toujours pour mon mari, des gâteaux de riz pour son camion. Pour mes petites bouches gourmandes, j'ai repris des danettes comme ceci. Pour mon petit pipiou et pour les enfants que je garde, j'ai repris des petits suisses parce que ça, c'est quelque chose incontournable. Hein. C'est le midi, j'en mange 2, à 4 heures, j'en mange 2 et le soir, j'en mange 2. Donc quand on a 3 enfants en garde plus le sien, je vous laisse calculer, ça part à une vitesse pas possible. Ensuite, j'ai pris des saucisses de Strasbourg. Ça, c'est le petit, c'est le petit péché pignon. Vous voyez, j'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est le petit péché mignon de mon Thiago. Je sais pas si ça date pas du fait que quand j'étais enceinte de lui, je mangeais des saucisses de Strasbourg. C'était la seule chose que j'avais envie. Donc, ça a dû rester parce qu'il adore les saucisses de Strasbourg. Pas sûr que ce soit le meilleur pour lui au niveau viande et mais bon voilà, c'est ce qu'il aime. J'ai repris 2 paquets de jambon blanc et 1 paquet de blanc de poulet. Donc je sais pas si ça doit, je pense que c'est tout pour le frais. Je pense que le frais, je suis bonne. Ça sera la surprise, je ne sais pas ce qu'il attend. Comme vous savez aussi, je prends des pains comme ça, déjà c'est 3 achetés et une offerte. Et finalement, ce que je fais, c'est que j'en garde une pour le jour, donc aujourd'hui je vais en garder une. Et pour le reste, je vais les couper en deux et puis les congeler. Comme ça, je sais que j'aurai toujours du pain sous le coude si jamais on n'a pas forcément envie de sortir. Voilà, je congèle mon petit pain. Pour le déjeuner, mes incontournables cappuccino. Aujourd'hui, j'ai pas pris du café caramel. Déjà, ils n'en avaient plus. Mais ils faisaient une offre. Je crois que c'était à acheter plein... Enfin, au prix initial et l'autre à moins 68%. Donc du coup, j'en ai pris 4. Je les aurai toujours. Toujours pour mon mari, des compotes à la châtaigne. De la crème liquide. Ça, j'en ai toujours dans le frigo. J'ai pris des cubes et légumes parce que quand je fais la purée à mon petit pipiou, des fois je mets justement un petit cube à l'intérieur, ça aromatise et puis ça change un peu le goût, donc voilà, c'est sympa. Donc là, c'est comme je vous disais, c'est des burritos. Ouais.
C'est pour ça que j'ai de la viande hachée d'ailleurs, de viande de bœuf, parce que je vais faire des burritos, je crois que c'est dimanche, je ne les ai pas vus, parce que vous savez que je fais mes menus sur le mois. Donc voilà, là ce week-end j'avais prévu un poulet pour le samedi et pour le dimanche c'était des... J'avais marqué tacos, mais ce sera des burritos. Alors, dans celui-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petits gâteaux apéritifs. Parce que l'autre fois que j'ai rangé ma cuisine, je me suis rendu compte qu'il ne me restait plus grand-chose. Donc j'ai racheté des gâteaux apéritifs, mais je dois en avoir un autre. Ah bah, de nouveau des compotes. Hein. Voilà. Pour qu'il en ait 8. J'ai repris des cracottes pour le petit déjeuner. La dernière fois, j'avais pris des biscottes. D'ailleurs, à Lidl, les biscottes, super. Par contre, le pain mis au multicéréales, je sais pas, je trouvais qu'il avait un goût de magasin. Vous savez, l'odeur qu'on sent au magasin de Lidl, je trouvais que voilà, le pain mis avait le goût de l'odeur du magasin. C'est peut-être dans ma tête, hein, mais bon. Des haricots beurre, ça c'est pour faire, je crois que c'est lundi avec les boudins blancs. De la macédoine, ça j'en ai toujours aussi sous le coude. En gâteau, j'ai repris ça, mais j'en ai pas pris une tonne de gâteau parce que finalement j'en avais acheté pas mal la dernière fois et du coup il m'en reste, donc ça sert à rien, j'ai juste rajouté ça. Histoire qu'il y ait du choix, parce que mes petits, je sais pas si vous regardez mes vlogs, les petits que je garde, voilà, ils savent où est le placard à goûter et donc généralement ils se choisissent le gâteau qu'ils veulent ou les gâteaux, hein, c'est comme ils veulent, il n'y a pas de restriction, donc du coup ça fait un peu plus de choix dans les gâteaux. Toujours des asperges pour mon mari. J'ai repris un petit paquet de pâtes parce que j'ai une boîte vide. Alors du coup, je vais la remplir avec mes petites pâtes. Dans celui-ci, ben, toujours des gâteaux apéritifs. Donc, en fait, gâteau apéro, j'ai pris ça et ça. Voilà. Les tortillas, ça c'est génial. Des fois, j'achète, vous savez, la sauce mexicaine, là, c'est sympa aussi hein, pour l'apéritif. Ça passe bien. Et puis j'ai pris des peach pour remplir ma boîte à goûter. Niveau poisson, j'ai du coca, j'ai de l'orangina. Voilà, parce que je crois qu'il me reste. Je crois que j'ai encore du thé dans le frigo. Et dans le frigo de derrière, il me semble que j'ai encore une bouteille de jus de fruits. Donc bon, j'ai dit je ne vais pas en racheter une tonne, ça sert à rien. Parce que plus il y en a et plus ça se boit vite, alors ça sert à rien. Voilà, et pour le lourd, hop, j'ai pris deux paquets de badois rouges. Voilà, c'est pareil, hein, ça fait partie de mes incontournables. J'en achète régulièrement, c'est quelque chose, on met au frais, quelqu'un vient boire un coup à la maison, hop, on a toujours un peu d'eau pétillante au frigo, c'est... voilà. Désolée, hein, mon bébé a fait du bruit, mais je peux rien faire. J'ai pris deux packs de bière. Ben là, en fait, j'ai pris deux packs de bière parce que hier, les messieurs, ils ont travaillé sur ma terrasse. Et l'après-midi, il faisait chaud, je leur ai proposé quelque chose et je me suis rendu compte qu'en fait, vous savez, mon mari, il a l'appareil à bière, je ne sais pas si vous voyez là. Mais il ne reste pas allumé la semaine, du coup voilà, et puis en plus je crois qu'il n'y avait même pas le fût à l'intérieur. Donc les deux fûts, ils sont dans le frigo, mais j'avais pas une bière, alors, enfin, il m'en restait deux, mais dont une un peu particulière, ils l'ont bu, mais voilà, c'était la honte un peu, parce que je leur ai proposé à boire, et au final, eh ben, j'avais pas grand chose. Donc cette fois-ci, j'ai pris des bières comme ça, j'en aurai toujours, et là, c'était pareil que le cappuccino, je crois, qu'on en avait une achetée plein prix, et l'autre à moins 68%. Voilà. Et pour finir, j'ai acheté des Despé. Voilà. Donc, niveau retour de course, je sais pas où j'ai mis mon ticket. Je reviens, je vais le chercher.
me revoilà. J'avais acheté aussi à la base dans mon retour de course, qu'est-ce qu'il me manquait? Il me manquait deux choses. Alors il y en a une, je le sais, c'est les fruit shoots. J'avais acheté un pack de fruit shoots, vous savez, les jus de fruits pour les enfants. Donc ça, j'ai pas eu. Et il y avait autre chose, mais je me souviens pas. Enfin bon, bref, ça devait pas être là. Dans tous les cas, là, donc dans mon retour de course, donc à la base, j'en avais pour 182,49. J'ai eu pas mal de réductions. Donc le total des réductions immédiates, il y avait moins 9,86€, donc c'est pas rien, c'est bien aussi. Et donc le reste à payer, j'en ai eu pour 172,63€. Donc bah, c'est toujours plus cher que mes courses de la fois dernière. Hein. La fois dernière, j'en avais eu pour en tout, je crois, 158€. Et bah voilà, hein, j'ai un peu moins de 20€. J'ai pas économisé 20€ cette fois-ci en tout cas. Donc, mais bon, c'était le plus pratique pour moi et ça me permet de faire des choses que j'ai pas encore faites, en particulier mon repassage. Voilà, j'adore ça en plus. Donc, fallait que je fasse mes courses rapidement. J'avais pas le temps d'aller en magasin et c'est vrai que. Ben, aller en magasin, il faut que je sorte bébé, le cosy, il faut que je le mette dans le chariot, il faut que... Enfin voilà, c'est une expédition en fait. Donc du coup, là j'ai dit bon, cette semaine je fais comme ça, je fais au drive et puis la semaine prochaine j'essaierai peut-être d'aller dans un autre magasin. Parce que vers chez nous, il faut savoir que bon, on a un Super U, on a un Intermarché, un Auchan, un Géant, on a un Leclerc en drive, on a un Lidl. À l'époque on avait un Leader Price, mais je crois que Leader Price ils vont fermer, il me semble que c'est ça. Donc je pense que Leader Price va fermer. Du coup, peut-être qu'il y aura. J'ai entendu dire qu'il y aurait un Aldi à la place du Leader Price. Il faudrait un jour que j'y aille parce que j'ai vu aussi que Aldi, niveau prix, c'était pas mal. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les magasins qu'on avait. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'on n'est pas non plus une ville immense. J'essaierai d'y aller faire les courses et puis vous donner un peu une idée de savoir si on fait des économies par exemple entre Super U et Intermarché. Bon, je vous avouerai que l'Intermarché, c'est pas un magasin qui m'attire. Déjà, j'aime pas la façon dont il est positionné. Je sais pas, il me plaît pas trop. Enfin bon, j'irai voir, quitte à. Si c'est pour faire des économies, autant aller voir. Je vous dirai ça, peut-être j'irai la semaine prochaine, on verra. Dans tous les cas, ben voilà, moi j'étais contente de vous présenter mon retour de course. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous ne l'avez pas fait, surtout abonnez-vous parce que c'est important pour moi. Ça me permet de me motiver à continuer. Voilà, laissez-moi des commentaires si vous en avez envie. Je vous répondrai, c'est sûr et certain. Et puis ben, surtout ben, donc abonnez-vous, mettez un like et puis rejoignez-moi sur Instagram à LynnNannyMoms. J'ai un compte Instagram où régulièrement je poste des petites stories, voilà, et que je vous donne les sorties de mes vidéos. Voilà. Bon, encore désolée pour le bruit derrière, mais voilà, j'ai un bébé qui chouine. Il sort de la sieste, mais il chouine. En tout cas, à bientôt les amis et pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Donc, voilà mon bébé qui chouine. Ah oui, là tu chouines plus, là tu fais des sourires. Et oui, on dit au revoir à tout le monde pour une nouvelle vidéo.